Ah bah, Felda, est-ce que t'as réussi à joindre Bibi? Ouais, elle doit être là. Allô, Bibi? Attends. Bonjour et bienvenue sur Dialissimo. Aujourd'hui, plus de 20 500 personnes sont inscrites. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre téléphone. Ah, c'est un truc de fume maintenant ici. Arrête! Fildar, c'est... Ton micro, Gérard, sinon on n'entend rien, quoi. Oh, Fildar, c'est la dernière fois que tu fais ça, d'accord? Attends, j'appuie sur la touche étoile, allô? Allô? Oui? Hein, ça marche? Oui. Non, mais je suis là, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais non, mais là, c'est en train de déconner. Là, c'est en train de déconner. Fildar et Gérard, la mauvaise envers Fildar, là. Il y a eu un problème. En fin de compte, il a réussi à joindre en passant par un téléphone de cul. Donc, ça nous paraît un petit peu bizarre quand même. Ouais. Attention, le résultat du vote. Donc, on rappelle que Sandy a fait une stimulation face à Séverine Deneuil et 24 personnes qu'on a appelé. Non, mais je veux dire, bah oui, il y a 24 millions. Hein. Oui, non, mais ça veut dire ça regroupe en 20. Moi, je contredis ces appels parce que Manu s'amusait à dire. Si c'est pour Sandy, c'est pas la peine, tu votes pour Sandrine. Donc, Séverine. Pour Séverine, donc c'est faux. Donc les votes sont truqués. Non. D'accord, désolé. Bon, alors, non, il y a eu un vote truqué, effectivement. Donc, ouais, on va dire, tu rajoutes un vote pour bébé. Okay. Non, mais même, de toute manière, j'ai bien vu comment qu'ils faisaient. Et en fin de compte, ils ont dit, votez pour Séverine, non Sandy. Donc pour c'est moi, faux. C'est truqué. C'est d'accord. Et sur l'Internet, il y a eu beaucoup de votes. Ouais. Non, sur l'Internet, on n'a même pas été capable de le voir. Mais si on va le voir, là. D'accord.